C'est le résultat de la récente visite de travail de Ghislain Thierry Magesa Ebomé à Abidjan. En mai dernier, le ministre congolais de l'enseignement technique et professionnel avait signé avec Nguessan Kofi, ministre ivoirien de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, un accord visant à octroyer les bourses d'études aux meilleurs élèves congolais des séries E, F2, F3 et F4. C'est une coopération sud-sud qui devra être exemplaire, porteuse d'espoir et d'espérance pour le jeu et qui devra aussi être un modèle pour les Africains. Le ministre Kofi Nguessan et moi-même avons résolu de discuter des accords spécifiques qui devraient participer à la matérialisation de cette haute volonté de nos deux chefs d'État. Ce sujet a fait l'objet des échanges ce vendredi. Le ministre congolais de l'enseignement technique et professionnel a reçu à cet effet la délégation ivoirienne conduite par Touré Kone Maman, ambassadrice de Côte d'Ivoire au Congo. Vous vous souvenez, le ministre est parti avec une forte délégation en Côte d'Ivoire et il a visité les écoles techniques et à la suite de cela, il a souhaité que le ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique de la Côte d'Ivoire vienne enfin superviser les examens des étudiants en enseignement technique. Ce concours d'entrée aux classes préparatoires technologiques et sciences d'Abidjan aura lieu ce samedi à Kintélé. C'est un concours pour entrer dans les classes préparatoires. Et dans ceux qui seront admis, nous les attendons à la mi-août à Abidjan pour commencer à faire une mise à niveau avec leurs amis ivoiriens. Et la rentrée officielle aura lieu début septembre. Au cours de ces échanges, les deux parties ont passé en revue les différentes étapes de ce partenariat, partant du concours jusqu'à la formation finale des apprenants. Donc, on fait deux années de formation en classe préparatoire. Et après ces deux années de formation, à travers les conventions que nous avons avec des grandes écoles au niveau international, ces jeunes-là iront faire une formation d'ingénieur. Et donc, 5 ans après, ils reviendront au Congo pour se mettre au service des entreprises du Congo. Les 14 prétendants qui s'affronteront ce samedi ont été sélectionnés suivant leur moyenne de classe respective. Ce sont les meilleurs élèves de chaque série qui vont battre le fer.